Ce salon de coiffure est l'un des rares commerces encore ouverts à Bétiville. Depuis 30 ans, les emplois dans l'industrie du pétrole, du tabac ou du charbon ont progressivement disparu dans cette partie rurale du Kentucky. La ville figure aujourd'hui parmi les plus pauvres des États-Unis. Ici, 81% des électeurs ont voté pour Donald Trump. Et 100 jours après son investiture, les premières décisions du président entretiennent l'espoir. Il essaie de faire ce qu'il a promis. La réforme d'Obamacare n'est pas passée. Il doit faire quelques changements d'abord, mais il essaie. Un président ne peut pas tout faire lui-même. Il a dit qu'il allait arrêter d'envoyer des emplois à l'étranger. Espérons que ces emplois iront dans de petites communautés et que les patrons diront « voilà où nous devons aller pour rendre ces endroits meilleurs et les faire grandir ». Après une carrière de soldat et d'entrepreneur, Chuck a repris le journal local il y a un an. Électeur indépendant, il ne regrette pas d'avoir choisi Donald Trump. Il a changé d'avis sur beaucoup de sujets et j'apprécie ça. Je pensais qu'il le ferait. En campagne, il disait les choses comme il le pensait, sur le moment. Mais je veux qu'il arrête de tweeter, c'est son plus gros problème. On dirait une gamine de lycée. Depuis 60 ans, le Kentucky a presque toujours voté conservateur. En novembre dernier, Donald Trump a facilement remporté cet État à la frontière entre le Midwest et le sud des États-Unis. Dans ce club républicain de Georgetown, il n'était pas forcément le premier choix, mais ses débuts à la Maison-Blanche ont convaincu. Il est en train de renverser certaines règles de l'Agence de protection de l'environnement qui empêchaient les entreprises de travailler. Il a changé certaines politiques mises en place ces 8 dernières années et donne aux gens une perspective positive. Donald Trump a promis de créer 25 millions d'emplois sur 10 ans aux États-Unis. Un argument de poids, à la ville comme à la campagne dans le Kentucky. Mais leur point de vue est loin d'être partagé par l'ensemble des Américains. 3 mois après l'arrivée du président à la Maison-Blanche, seuls 42% d'entre eux approuvent son action. Le taux le plus bas depuis 1945.